convenablement ce que je te dire. Oui, papa. Bien, écoute. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai pas de feu, ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu. Ah, si tu me répètes ça comme il faut, tu auras 50 centimes. Oui, papa. Alors, comment? Au clair de la lune. Mon ami Pierrot. Ben, mes 50 centimes. Tout à l'heure, voyons, tu es bien pressé. Mon ami Pierrot. Prête-moi. Prête-moi mes 50 centimes. Non, non, non. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Pour? Pour avoir mes 50 centimes. Au clair de la lune. Voilà. Ils ont réussi à lire grâce au scanner, grâce à l'évolution des technologies. Et c'est ça. Et Scott de Martinville, qui était extraordinaire, après, il disait, j'espère que la phrase exacte, qu'on n'oubliera pas de citer mon nom à chaque fois qu'on parle de cette invention-là. Et voilà, ça continue. Et voilà, et on remercie Léon Scott de Martinville d'avoir commencé cette voix, voilà. C'est très émouvant, voilà. Surtout dans cet endroit si entièrement consacré au son. Et j'ai eu à cœur qu'on rétablisse un peu la vérité historique, si vous voulez. On y a aussi été aidé par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui avait conservé dans ses archives toutes les recherches d'Edouard Léon Scott, et on les a retrouvées parfaitement conservées. Parce que si vous voulez, nous avions des archives dont nous n'avions pas fait un inventaire détaillé, on avait simplement un inventaire, si vous voulez, par année. Et on ne savait pas qu'au milieu de l'année 1857, nous avions ce trésor unique au monde. Grâce aux Américains, nous avons pu évidemment en avoir la restitution. Ça, c'est extraordinaire. Je me souviendrai toujours quand M. Léon Scott est venu chez nous et qu'il a entendu. Ben oui, c'est émouvant, bien sûr. Et surtout, ce qui est intéressant au début, comme il y a eu une erreur sur le pas, tout le monde disait, c'est extraordinaire, le premier enregistrement au monde, c'est une femme chante. Et finalement, c'est parce que c'était pas à la bonne vitesse. Exactement. Et plus tard, quand ça a été calculé, le pas de vis de la machine, etc., tout ça, on s'est rendu compte, même c'était encore une deuxième découverte, que c'est probablement Léon Scott de Martinville lui-même, comme tous les inventeurs, Edison l'a enregistré aussi.